Même pendant les vacances parlementaires, pas besoin de prendre le repos. La députée nationale Magirwa Kabuba, l'élu de Rutshuru, très attachée à sa base, n'a pas hésité de s'imprégner de soucis majeurs qui touchent sa communauté. Présidente de l'Union des démocrates pour la concorde nationale, elle a pris part à l'adhésion de plus de 7000 membres au cours d'une grande cérémonie organisée au stade Tatamwa Mindezi Rungabo 2 par son parti UDSN. Pour 2023, UDSN affûte ses armes au cours de la rencontre avec sa base et n'a pas hésité d'évoquer le mot qui trouble la paix à l'est de la RDC, à savoir l'insécurité et la balkanisation. Fiche un message Kouakouwa, pas qu'à quoi président de la République. Allez te promettre à Mani, et quoi la Jikaza, faciliter pour les coups d'insécurité, pour les béni, ou quoi, Djomana, il n'a pas pour soutenir. Wa askari wetu FARDC inafaa kuwasaidia kusudi amani irudie mu territoire yetu, amani irudie muishi yetu yote, kusudi tupate wakati ya kutumika. L'honorable Magirwa Kabuba a rassuré à sa base qu'aucune portion de terre de la province du Nord-Kivu et de toute la RDC ne sera cédée aux ennemis de la paix. Pendant, elle appelle la population de Rutshuru de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans le but, dit-elle, d'avoir un Rutshuru sans groupe de rebelles comme dans les années antérieures. Très attirée par les développements, au centre de son combat, le bien-être de la population de Rutshuru. L'agriculture est une des principales activités économiques du pays. Pour avoir la réponse sur la place de l'agriculture dans la croissance économique du terroir, elle s'est rendue dans l'usine du café Rukaf, Rutshuru Café. À l'heure de l'innovation dans la technologie, quoi de plus normal par les billets de sa fondation Magirwa Kabuba, Fomar en sigle, et elle a profité de l'occasion pour se rendre à Roubaré dans les centres d'informatique de Fomar pour encourager les jeunes dans l'initiation de l'informatique, question de se mettre à jour dans les terrains de la jeunesse de Rutshuru. Compte tenu de tueries et kidnappings à répétition dans cette contrée, elle a sensibilisé la population de Rutshuru, demandant à tous ceux qui se solidarisent encore avec le groupe rebelle de quitter la forêt et de réintégrer la société et de cultiver la paix. Remercier commandant Natafta pour remercier FARDC Natafta pour remercier police pour quasi ya pour encadrer population Amani Koué a tout à coup qui a tenu les manènes à kidnapping pour Natafta Amani pour solide tout pâté maïndéléo nous groupement et tout. Dans mon territoire et tout, dans mon province et tout. Bref, passage à Tchengerero, question de booster le développement à travers l'agriculture au sein de la population. La journée sera marquée par sa visite au sein de l'hôpital de Bougoussa. Au-delà de sa casquette politique, Magirwa Kabuba est aussi opérateur économique. Une raison de plus de s'y rendre dans ses plantations. Mais aussi avoir une idée sur la progression de l'élevage du gros et petit bétail dans la région. Et pour finir son périple, elle a procédé à la plantation des anti-érosifs avec la population de cette entité en vue de lutter contre les érosions, mais aussi les éboulements. Magirwa Kabuba, la voix de la population de Rutshuru, est très loin de s'arrêter là.